Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ghost of Tsushima. Je sais pas ce qu'il fait lui. Le Bouddha. Ah merde, ils ont repris le Bouddha, j'y crois pas. Mon frère est devenu le gardien le jour où il a sauvé ce temple. J'aurais aimé qu'on sauve cette statue. Ah, ils l'ont pété les bâtards. C'est son ultime enseignement. Quoi que l'on fasse, tout finit toujours par disparaître. Elle a perdu sa valeur une fois brisée. Mais son message est plus fort. Ah, les bâtards. Ah mince. En fait, dans la vidéo précédente, je croyais qu'ils ont reporté pour un délire. Mais en fait, non. On avait fini. J'aurais pu terminer. Ok. Ok, très bien. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a comme récit? Alors. Ah, on a plus que des petits trucs. Ah, donc on va... Est-ce qu'on a un mythique? Non. Eh ben, je propose qu'on fasse le récit principal. En plus, on n'est pas très loin, je pense. Est-ce qu'on peut s'en approcher? On peut partir de là. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un avantage, mais bon. Ah, le fameux Kenji. J'en peux plus de ce mec. Alors, ça, on viendra le faire une autre fois. Ah, parce que si ça me fait partir de haut de la montagne, j'aurais peut-être dû. Ok. Ça, c'est un petit tips que je vous donne comme ça. En fait, quand vous passez à côté de ces collines-là, c'est pas la peine de chercher l'entrée. Il vous suffit de partir de la carte et de faire un voyage. Et des fois, c'est quand même beaucoup plus pratique. Genre quand vous avez le temple qui est tout en bas d'une falaise, c'est beaucoup plus pratique de passer comme ça. Ok, c'est qui eux? Alors le temple, il a l'air d'être par ici. Ah, il est là-bas. Je sais pas si je vais pouvoir passer par ici. Ils sont là. Il va falloir que je fasse le tour. Ouais, je vais devoir faire le tour. Bon, hé. Je prends ton cheval. C'est quand même plus la classe d'arriver avec un cheval. Non plus. Où est l'entrée de ce temple? Ok, on est arrivé. Il y a des renforts là. Qui va là? Je suis le seigneur Sakai. Vous devez être nos renforts. C'est exact. Je suis le seigneur Sadamune Oga, vassal du shogun. Bienvenue à Tsushima. Merci, seigneur Sakai. Le shogun nous a envoyé dès la réception de votre message. Votre oncle vient de parler. Nous allons affronter le Khan. Le vaincre. Et reprendre le château des Chimois aux envahisseurs mongols. Excellent. Ralliez vos hommes. Je dois d'abord aller voir quelqu'un. Je vous attendrai à la porte nord. Nous irons ensuite rejoindre votre oncle. Ok. Je suis allé me détendre. Observer les oiseaux. Ah, il faut que je retrouve tous mes alliés. Il est où? Serrez ses chevilles. N'en oubliez aucune.
Je vois que tu travailles dur. Quelqu'un doit s'assurer que le bélier est prêt pour la bataille. S'il nous fait faux bond, on n'aura aucune chance d'entrer dans le château de votre oncle. Si seulement nous en avions eu un à Azamo. Vous n'avez pas aimé vous cacher dans mon chariot? Je n'aimais pas empester le saké. Yona m'a dit pour Taka. Il était bien plus courageux que moi, le bougre. Si Taka était là, il te dirait le contraire. Eh bien, je vais essayer de ne pas le décevoir. D'accord. Il est temps, Yona. Les samouraïs sont là. Tout le monde se prépare au combat. Ça va être la grosse bagarre. T'es-tu reposé? Je n'ai pas pu. Désolé. Taka nous manque à tous. Il croyait en toi. Maintenant, le peuple de Yarikawa aussi. Parce que tu t'es battu pour eux. Envers et contre tous. Ils seraient prêts à mourir pour le fantôme. Je donnerai ma vie pour le peuple de Tsushima. Et pour toi. Une petite romance qui commence. Espérons que ça n'arrivera pas. Je te laisse, Yuna. Je dois voir le seigneur Oga. On se retrouve sur le champ d'attaque. Il est où là? Il est par là. Seigneur Sakai. Mais non, toi t'es le mec. Jin, je ne te savais pas revenu. J'espère que vous n'êtes pas trop dur, Dame Masako. Ça ne leur fait pas de mal. Les paysans de Yarikawa sont plus robustes qu'il n'y paraît, et plus tenaces. Plus tenaces que vous? Impossible. Il y a une semaine, ils auraient craché sur les noms de Sakai et Adachi. Ça veut dire qu'ils contrôlent le Sensei. Mais après ce que tu as fait à Yarikawa, c'est grâce à toi qu'ils sont là. Alors je ne les décevrai pas. Moi non plus. Ouais, il faut qu'on trouve le Sensei. C'est qui eux? Elle est là. Bienvenue, Seigneur Sakai. Sensei, je vois que vous avez rencontré nos renforts. Les soldats du Shogun sont des guerriers d'élite, mais même eux auraient besoin de s'entraîner à l'arc. Et les paysans? Impressionnant. Ils manquent de technique, mais le talent est là. C'est beaucoup dire. Qui le dernier? Yarikawa était autrefois le pilier de cette île. Nous pourrions renvoyer les Mongols sur leur navire, avec un mois d'entraînement intensif. Vous avez une heure. Dans ce cas, cesse de me distraire. Oh pardon, excuse-moi. Elle est aimable, lui. C'était qui le dernier? Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai failli mourir quand j'étais enfant. Ah non? Que s'est-il passé? C'est qui notre dernier renfort? En vrai, je sais même pas. Lui. Seigneur Sakai. Norio, as-tu formé les nouvelles recrues? Pas tout à fait, monseigneur. Je viens de finir de les guider dans leur méditation. Les samouraïs, les habitants de Yarikawa, tout le monde a besoin de calme avant d'aller combattre. Pour accepter le caractère éphémère de la vie et envisager sa propre mort. Tu es sage. Veux-tu méditer avec moi? Ce serait un honneur.
Ok, merci, c'est fait. Norio. Que Bouddha vous protège. Allez, on va y aller. Seigneur Sakai. La bataille. Oh, ça risque d'être assez épique là, tout le monde est sur la. Sur le pied de guerre. Seigneur Sakai. Allez, c'est parti. Seigneur Oga. Où est mon oncle? Il vous attend au sommet de la colline. Le clan Oga serait honoré de vous escorter jusqu'à lui. Merci de le proposer. Oui. Ne faisons pas plus attendre le Khan. Parfait. Je vous félicite, Seigneur Sakai. On est parti pour un long récit. Vous avez sauvé votre oncle et rallié Yarikawa à notre cause. Ce ne sont pas des guerriers, mais j'ai toute confiance en eux. C'est pas sûr dans que... ce cas, je me fie à votre jugement. On a le temps de finir du coup dans cette vidéo. Les gens surnomment-ils le fantôme? Vraiment? Ils avaient besoin de retrouver l'espoir après la défaite des samouraïs. Maintenant que les samouraïs sont de retour, il est temps de mettre un terme à toutes ces histoires et de rétablir la loi du Shogun. Pour l'heure, nous devons sauver cette île et tous ceux qui l'habitent. La politique attendra que le Khan soit mort. Bien entendu, Seigneur Sakai. Seigneur Shimura, votre neveu est arrivé. Jin, ici. Ah, j'arrive. Putain, on a du monde, hein. Putain, tout le monde est chaud, là. Beau travail, Jin. Nous sommes maintenant en mesure de reprendre mon château. J'ai vaincu les chapeaux de paille. Mais Ryuzo s'est enfui avec le Khan. Il voulait que je vous trahisse. T'as des beaux gosses, hein. Tu as parlé au Khan? J'ai été capturé. Si je l'avais su, j'aurais mobilisé toute mon armée pour te libérer. Yuna m'a aidé à m'échapper. Mais son frère... Il est mort avec honneur. Le Khan paiera pour son sacrifice. Et pour tout ce que tu as enduré. Jin. Le Shogun a approuvé officiellement ma décision de t'adopter. Dès que notre île sera sauve, tu deviendras l'héritier du clan Shimura. Ah, ok. Pas en fantôme. Mais en tant que samouraï. Je ne vous décevrai pas, mon oncle. Aujourd'hui, nous menons la charge en tant que Sakai et Shimura. Demain, nous célébrerons la victoire en tant que père et fils. Bon, ça va être chaud, là. Ça va être un truc de malade. Les samouraïs s'enorgueillissent de leur code d'honneur. Mais pourtant, il les rend rigides, prévisibles et faciles à briser. Le fantôme n'a pas de limite. Ça le rend... très dangereux. Tout se joue maintenant, Jin. Cette bataille scellera le destin de notre île. Nous prendrons la tête du Khan. Ensemble. Et nous la livrerons au Shogun en personne. Guerriers de Tsushima! Aujourd'hui, nous vainquons Khotun Khan! Nous reprenons le château des Shimura! Et chassons les Mongols de notre île! Waouh! Mais what? Suivez le seigneur Shimura vers la victoire! Allez! Tuez-les tous! N'oubliez pas! Lutez! Tsushima! Allez, en avant! Seigneur Sakai.
Oh merde! Putain, je voulais. La porte avait l'air ouverte. Plus. Et...
Jin Sakai, pars en éclaireur. Mieux vaut éviter les mauvaises surprises. Et puis en même temps, je suis en fantôme, donc ça va. Comment je fais? J'ai pas le droit de que... Dame. Entrez chez vous, entre chien. Cette porte ne s'ouvrira pas. Seigneur Sakai, fuyez, bande de lâches. Jin, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la voie. Pas comme cela. Jamais de cette façon. Affronte-les comme un guerrier, avec honneur. Pas comme un monstre. Ils ne comprennent rien d'autre. La terreur n'est pas l'arme du samouraï. Oh oh. Cette tour, elle nous empêche d'avancer. Voilà ta chance, Jin. Va détruire leurs armes, avec honneur! Je tiendrai le front et attirerai leurs tirs! Je viens avec toi. Ne t'éloigne pas! Tenez vos positions! Jin! Prends le Huacha! Il arrive à le sortir de là, lui. Ah d'accord. Oh, c'est pas mal ce truc. Qu'est-ce que c'était ? D'autres Mongols. Tuez-les tous. Est-ce que c'est pas un peu trop facile ça? D'autres Mongols, vers le pont.
Je les vois. On ne peut rien faire de plus ici. Rejoignons les autres. Bah c'était cool, et j'ai tout à mon ghost. Tu as eu raison d'effrayer les Mongols à la porte. Ton oncle avait tort. Il ne veut pas m'écouter. S'il continue, nous mourrons. C'est grâce à toi que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et tout le monde le sait. C'était lui. Vous les avez fait prier, monseigneur. Van, père du terrain. Contre Mongols, là-haut. Derrière vous, Masako. Pas de pitié pour les Mongols. Il est où? Elle est là. Merde, c'est pas lui, c'est là. C'est lui. Genre à renoncer, quelque chose cloche. Revenez les gars, revenez. Devons honorer leur sacrifice. Rassemble nos meilleurs soldats. Nous réparerons le pont et attaquerons à l'aube. Non. Il y a eu trop de morts. Je vais y aller seul. Vous auriez dû suivre... Assez ! Il existe une autre solution. Nous en discuterons. En privé. Le destin de Josemar. Les Mongols sont sur la défensive.
Nous frapperons avant qu'ils se rassemblent et finiront cette guerre demain. Vous avez envoyé nos hommes à la mort. Ce sont les soldats. Nous avons leur sang sur les mains. Je peux franchir discrètement le pont et empoisonner l'ennemi. Vaincre par la terreur. J'essaie de sauver notre peuple en lui apprenant à nous craindre. Si tu continues sur cette voie, tu ne vaudras pas mieux que les Mongols. T'es sérieux, mec? Je t'ai appris à te battre avec honneur. Tout honneur est mort sur la plage. Le Khan mérite de souffrir. Tu te laisses guider par tes émotions. J'ai renié tout ce que je savais pour sauver notre peuple. Je lui donne de l'espoir. Vous ne faites rien. Jin, non. C'est terminé. Papa. Ok. Elle est où, Luna? Elle est par ici. Elle est là. Tsushima te pleure. Il répare le pont sur les ordres de ton oncle. Le seigneur Shimura compte mener son plan jusqu'au bout. Peu lui importe la vie de ses hommes. Ces gens sont venus se battre. Pour toi. Combien d'aconites du loup peux-tu trouver en une heure? Quelques poignées. Va voir les autres. Dis-leur d'en cueillir autant que possible. Tu veux empoisonner les Mongols? Je vais m'introduire dans le château et en verser dans leur lait. Je veux voir le Khan se noyer dans son sang. Ton oncle finira par comprendre. Je sais. Taka préparait quelque chose pour toi. Je n'étais pas sûre que tu en veuilles, mais... s'il t'arrive malheur... N'aie crainte. Il voulait te donner ça. C'est quoi? Oh. C'est beau, ça. C'est tout l'aconite Tulu que nous avons. Est-ce que ce sera suffisant? Je m'en assurerai. Si j'atteins cette tour, je pourrai évaluer les forces du Khan et trouver un moyen d'empoisonner ces hommes. De quelle tour tu parles? De quel tour il parle? Ok. Les phases de rochers comme ça. Faut que je descende. Hein.
J'élimine les gardes discrètement. Ensuite, je ferai le tour depuis le dernier étage. Trop tard. En saut. Son dos là-haut, par contre. Si j'essaie de passer par là. Den Negumben, hein? Je peux pas gérer. T'inquiète. Elle monte. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, je dois trouver un moyen de les empoisonner. Observer les défenses mongoles. De où ? Ah. Le chemin du jardin. Peu de gardes et beaucoup de planques. Peu de gardes. Un chapeau de paille. Ryuzo. J'aurais dû m'en douter. Il prépare un festin. Je peux empoisonner le lait fermenté du Khan, laisser ses hommes boire l'airag, puis tuer tous les survivants. Des fortifications. Des explosifs. Mon oncle nous mène tout droit au massacre. Je dois accéder à l'airag sans me faire remarquer. Mieux vaut passer par le jardin. Par là ? Il y a un fil. Il y a un fil. Peu de lance, pas de mal. Enfin, il y a un fil là. Ok, je suis là et après. On atteint le banquet et on empoisonne les boissons. Ok.
pas où il est. Putain, il est où le truc? Je peux peut-être le tuer, lui. Ça ferait de la place. Où je dois aller. What? Tu te fous de moi, quoi? Ok, j'ai vu les fils là. J'arrive où là? C'est pas possible. Putain, y'a un mec là. Par où tu veux que j'aille pour aller là-bas? En plus, je sais pas c'est lequel des deux. Deux trucs. Oh, c'est chaud. C'est là qu'il garde le lait. Je dois y ajouter le poison. Oh. Et l'autre là-bas? Casse-toi, toi. Casse-toi, chérie. Merde, il s'est retourné, l'autre, là. Plus qu'à attendre. Il n'est pas statué. Entrer et affronter le Khan. Carrément. Ça va être chaud là. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je mette en L3 R3. On va essayer. Jin.
Où est le Khan? Il est parti au nord. Ah merde. Il m'a dit de rester pour lui ramener la tête du fantôme. Alors viens la chercher. Non. J'ai déjà eu l'occasion de te tuer. Mais j'ai convaincu le Khan de te laisser une chance. Il a massacré Taka! Et toi, tu as massacré mes hommes. Il ne me reste plus rien. À part toi. Oh, c'est bon. Ensemble, nous pouvons vaincre les Mongols. Après tout ce que tu as fait! Dis à tout le monde que j'étais ton espion. Que je devais gagner la confiance du Khan. Ils croiront le fantôme. Arrête! Qu'est-ce que je fais? Je le bute. Tu es mon plus vieil ami, Ryuzo. Rends-toi. Et réponds de tes crimes. Il en dépend de notre salut. Je ne peux pas. Ah bon, moi, je vais te tuer alors. Ryuzo. Le poison. Tu as désobéi à ton oncle. Tu ne m'as pas laissé le choix. Oh, je l'ai enchaîné là. Je ne te pardonnerai jamais. Oh, m'enchaîner. Allez. Jin. Je t'en prie. C'était les meilleurs amis, quoi. C'est bon à savoir que... utiliser le fantôme face à des boss. Cette prise de château était... épique hein, quand même. Ryuzo. Bien. Le château est vôtre. Le Khan marche vers le nord. Nous pouvons le rattraper. Tu m'as défié. J'ai fait ce que je devais faire. Pour eux. C'est comme cela que tu veux passer à la postérité. Il nous a défendus. En semant la peur et le chaos, c'est ça. Nous sommes en guerre. Et tu te comportes à l'image de l'ennemi. Pas en samouraï. La voix des samouraïs ne sauvera pas cette île. Le Shogun exigera un coupable. Mais tu n'as pas à être celui-ci. Je sais que c'est elle qui t'a poussé à faire cela, mon oncle. Renonce au fantôme. Tiens-la pour responsable de ce déshonneur. Quel bâtard. Dis-leur. Tu es Jin Shimura, fidèle serviteur du Shogun, mon héritier.
Non, non. Jin-saka. Je ne suis pas votre fils. Je suis le fantôme. Oh. Oh. Alors tu seras jugé comme tel. Trouve le Khan. Jin. Pour Taka. Pars. Sérieux? Après tout ce que j'ai fait? Non mais sérieux. On a un trophée fantôme. Cendres et odeurs. Qu'est-ce que tu fais là? Le seigneur Shimura m'a fait livrer du saké pour vous remercier de l'avoir aidé à reprendre son domaine. Je surveille le prisonnier. Il n'ira nulle part. Mais si vous tardez, vos amis boiront tous sans vous. Je n'ai rien avalé d'autre que de l'eau depuis que nous sommes ici. Oh, vous le méritez, ce saké. Juste regardez. Ah, on n'a plus rien. Kenji, que fais-tu ici? Vous le voyez bien, je vous libère. Si je m'enfuis, je ne pourrai pas unir notre peuple contre le Khan. Je ne regagnerai pas la confiance de mon oncle. Si vous restez, il vous enverra au Shogun pour être jugé. Les ordres viennent d'arriver. Le peuple a besoin de vous, Seigneur Sakai. Yuna a besoin de vous. Où est-elle? Elle est allée au nord, sur les terres gelées, pour traquer le Khan. Elle a votre sabre. Elle est en train d'attendre le fantôme. Pardonnez-moi, mon oncle. Trouve Masako, Norio et Ishikawa-sensei. Envoie-les au village d'Omi. Yuna et moi, nous vous ouvrirons le passage. Elle vous attend à Kin, avec votre équipement, à l'arbre sacré. Votre cheval est dans l'écurie extérieure. Une servante m'a parlé d'une clôture endommagée près de la porte. Glissez-vous par là. Je vais faire diversion. Mais je ne veux pas être là quand il... que vous êtes parti. Merci, Kenji. Que pensez-vous du saké? C'est bon pour réussir à me faire oublier l'odeur. Merde, pardon. L'odeur de la mort est partout. À cause de ce maudit fantôme. C'est où, le... Il ne craint rien, parce que sa façon de le tuer n'est pas noir. Thank you.
Ok. Merde. Ah, où je peux passer là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Toudou, c'est moi. Oh merde. Perdre le cheval. Petite séquence émotion. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégé. Dernier acte. Et ben nous on va s'arrêter là, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, laissez-moi un grand pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.